Lumière sur eux. Avant scène. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et nous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir. Revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître. Peut-être ce que j'ai toujours voulu, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir, là encore, décider. Me donner et donner aux autres et à eux, tout précisément, toi, vous, elle. Et cela encore que je ne connais pas trop tard, et tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même. Et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. C'est Catherine? Elle est Catherine. C'est Louis. Pas la vie. Catherine. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer. Laisse-le avancer. Elle est contente. On dirait un espagnol. Ne me dites pas ça, ce que je viens d'entendre. C'est vrai, Julienne. Ne me dites pas ça, ils ne se connaissent pas. Vous ne vous connaissez pas, Louis. Tu ne connais pas Catherine? Vous ne vous connaissez pas, jamais rencontré, jamais. Comment veux-tu? C'est très bien. Je suis très content. Oui. Moi aussi, bien sûr, moi aussi, Catherine. Tu lui serres la main. Oui, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Tu lui serres la main, il lui serre la main. Tu ne vas-tu même pas lui serrer la main? Ils ne vont pas te serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas. Tout à fait comme ça que je l'imaginerais, tu ne changes pas. Je te voyais tout à fait ainsi, il ne change pas. Et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras, vous vous trouverez sans problème, elle est là même. Vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main, embrasse-la, Catherine. Suzanne, il se voit pour la première fois. Je vous embrasse, à la raison, pardon. Je suis très heureux, vous permettez? Tu vois ce que je disais, il faut leur dire. En même temps, qui est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête, dans la tête? Je le savais, mais je suis ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils ne se connaissent, que vous ne vous connaissiez pas. Que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils, cela, je ne l'aurais pas imaginé. Cru pensable, vous vivez vraiment d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis,
Le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées? Elle sait ça parfaitement. Oui. Ne m'expliquez pas, c'est bête, je ne sais pas pourquoi je demandais ça. Je le savais, je le sais tout aussi bien, mais j'oubliais. J'avais oublié toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. Juste derrière la maison et j'entends une voiture. Je pensais que tu avais acheté une voiture, on ne peut pas savoir. Ce serait logique. Je t'attendais. Et le bruit de la voiture, du taxi. Immédiatement, je suis que tu arrivais, je suis allée voir. C'est un taxi. Je suis venue en taxi depuis la gare. C'est pas bien, je peux aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones, je serais immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça, je l'avais dit. Je prendrais un taxi. Ils ont tous pensé qu'ils savaient ce que tu avais à faire. Tu as fait un bon voyage, je ne t'ai pas demandé. Oui, j'ai fait un bon voyage. Je n'ai pas de voiture, non? Et toi? Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Et toi? Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Il faut rien exagérer, ce n'est pas un grand voyage. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est Louis. Il n'embrasse jamais personne, il a toujours été comme ça. Son propre père, il ne l'embrasse pas. Suzanne, fous-nous la paix! Oh, qu'est-ce que je dis? Je t'ai rien dit! Je ne dis rien à celui-là! Je te parle! Maman! Chez un autre grand-mère, nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir, cela, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi, Antoine également, nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin, ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne m'en rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée, tout le monde dit ça. On dit, et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques, juste un peu, comment dire, pour amuser. Non, je ne sais pas. On dit, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça, de tous les enfants, on le dit, je ne sais pas pourquoi, non? Le même mauvais caractère, le même sale mauvais caractère. Pareil et obstiné, comme tu le vois là maintenant, elle sera plus tard. Vous nous avez envoyé un mot, vous m'avez envoyé un mot, un petit mot, et des fleurs. Je me souviens, c'était une attention très gentille. Et j'en ai été touchée. Mais en effet, vous ne l'avez jamais vue. Ce n'est pas aujourd'hui. Tant pis, ce n'est pas aujourd'hui que ça la changera, je le raconterai. Nous vous avons envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. C'est un bébé, ses yeux aussi. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine. Pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Et aujourd'hui, elle est très différente. Une fille. Et vous ne pourriez la reconnaître, elle a grandi, elle a les cheveux. C'est dommage. Laisse ça, tu l'ennuies. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? On ne dit pas ça? Non, je vous ennuie. J'ennuie tout le monde avec ça. Les enfants, on croit être intéressantes. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Bon, c'est pas méchant, non, c'est déplaisant. Ça ne m'ennuie pas du tout, tout ça, mais mes filleuls, neveux, ce ne sont pas mes filleuls, mes neveux, nièce, ma nièce, ça m'intéresse. Il y a un petit garçon aussi, il s'appelle comme moi, Louis. Oui, je vous demande pardon. Ça m'a fait plaisir. Je suis touché, j'ai été touché. Il y a un petit garçon, oui.
Le petit garçon a... Il a maintenant 6 ans. 6 ans ? Je ne sais pas quoi d'autre. Ils ont 2 années de différence, 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? J'ai rien dit, me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'est pas ce que j'ai dit qui devrait... Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. J'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Catherine est comme ça. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Je n'ai rien dit. Il t'écoute. Il vient de me dire. Cela t'intéresse. Nos enfants, mes enfants, tes enfants. Cela te plaît. Cela lui plaît. Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, j'ai dit ça. Ça devait être sans y penser. Oui, non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible. Ce n'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excusez-moi. Je t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise, là. Et maintenant, je suis mal à l'aise. Ça va être de ma faute. Une si bonne journée. Elle parlait de Louis. Catherine, tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui. Pardon. Ce que je disais. Il s'appelle comme vous. Et à vrai dire... Je m'excuse. Ça va, là, je m'excuse. On dit que je n'ai rien dit. Mais tu me regardes pas comme ça. Continue pas à me regarder ainsi, franchement. Franchement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu. Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout... Et c'est plutôt là l'origine. Je raconte. Il porte avant tout le prénom de votre père. Et fatalement, par déduction... Les rois de France! Écoute, Antoine. Écoute-moi. Je ne dis rien. Cela m'est égal. Tu racontes à ma place. Je plaisantais. On ne peut pas plaisanter un jour comme aujourd'hui si on ne peut pas plaisanter. Il parlait de Louis. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Et explique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je n'en rends pas compte. Je n'ai qu'un frère. Et fatalement, il n'est pas l'aîné. Le prénom des parents. Ou du père, de l'enfant mâle, le premier garçon, hein, toutes ces histoires. Et puisque vous n'avez pas d'enfant, puisque vous n'aviez pas d'enfant, il paraissait logique. Mais puisque vous n'avez pas d'enfant, Antoine dit ça, tu dis ça, tu l'as dit ça, Antoine dit que vous n'en aurez pas. Mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et ce n'est pas décidé de votre vie. Mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'aurez pas de fils, c'est surtout cela, puisque vous n'avez pas de fils. Il paraissait logique, n'est pas un très joli mot pour une chose à l'ordinaire, heureuse et solennelle, baptême des enfants. Bon, il paraissait logique, on me comprend. Et cela pourrait paraître juste des traditions, de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique, donc, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père, donc, comme vous, de fait. Je pense aussi que cela faisait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. Dommage, vraiment, que tu ne puisses le voir. Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit, l'héritier mâle ? Je n'avais pas envoyé de petits mots. Mais merde ! C'est pas de ça qu'elle parlait ! Antoine...
Tu es partie? Je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention, hein. Je ne connais pas garde. Et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite. Jeune. Ce qu'on dit, j'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps. C'était pas bien. Et ce n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ça n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux. Antoine et Catherine. Je ne crois pas que je me trompe. Mais aussi ça ne doit pas, ça n'a pas dû, ça ne doit pas être bien pour toi non plus. Toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'aveu. Tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement, je pense que tu es un homme habile, qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois tu nous envoyais des lettres. Parfois tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres. Hein. Qu'est-ce que c'est de petits mots. Juste des petits mots. Une ou deux phrases. Rien. Comment est-ce qu'on dit elliptique. Parfois tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais. Lorsque tu es partie, ce que je pensais lorsque tu es partie, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là que ça commence, je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire, que de toute façon, et nous éprouvons les uns les autres ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir, hein, une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact, une certaine forme d'admiration pour toi, à cause de ça. Ou que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Te servir de ça pour te sortir d'un mauvais pas ou avancer plus encore. Mais jamais nous concernant. Jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. Et comme ça, c'est une sorte de don, je crois. Tu ris, jamais nous concernant, tu ne te sers de cette qualité. C'est le mot, et un drôle de mot puisqu'il s'agit de toi. Jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas dignes, c'est pour les autres. Ces petits mots, les phrases elliptiques, ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable. Comme si tu voulais, de cette manière, toujours paraître, être en vacances. Je ne sais pas, je croyais cela. Ou comme si, par avance, je voulais réduire la place que tu nous consacrerais. Et laisser à tous les regards, le message sans importance que tu nous adresses. Je vais bien, et j'espère qu'il en est de même pour et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui, même pour annoncer une nouvelle de cette importance, et tu ne peux pas ignorer que ça fait une nouvelle importante pour nous tous, même si les autres ne te le disent pas, tu as juste écrit, là encore, quelques rapides indications d'heure et de jour, au dos d'une carte postale achetée très certainement dans un bureau de tabac, et représentant, hein, que je me souvienne, une ville nouvelle de la grande périphérie, vue d'avion, avec on peut se rendre compte aisément au premier plan, parc des expositions internationales. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait, et toujours fait, et depuis sa mort à lui,
tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Elle répète ça. Si nous devions seulement, par hasard, nous aurions qu'à peine insinuer, oser insinuer que peut-être, comment dire, je ne suis pas toujours tellement présent. Elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous, nous nous taisons. Est-ce qu'on sait? On ne te connaît pas. Ce que je suppose, ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi, il me le confirma sur ce point, comme sur d'autres, lorsqu'il pensa que j'étais en âge de comprendre, c'est que jamais tu n'oublias les dates essentielles de nos vies, les anniversaires quels qu'ils soient, et que toujours tu restes proche d'elle, d'une certaine manière. Et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence. C'est étrange. Je voulais être heureuse d'aller être avec toi. On se dit ça, on se prépare et je te fais des reproches et tu m'écoutes. Tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici avec elle. Antoine et Catherine avec les enfants, je suis la marraine de Louis, ont une petite maison, pavillon. Je l'ai rectifiée, je ne sais pas pourquoi, ce que je pense, tu dois aimer ces légères nuances. Petite maison, bon, comme bien d'autres, à quelques kilomètres de nous par là, dans la piscine découverte au Minisport. Tu prends le bus 9, ensuite le bus 62, et ensuite tu dois marcher encore un peu. C'est bien? Cela ne me plaît pas, je ne viens jamais. C'est bien. Je sais pas pourquoi je parle et cela me donne presque envie de pleurer, tout ça. Que Antoine est près de la piscine. Non, c'est pas bien. C'est un quartier plutôt laid. Ils reconstruisent, mais cela ne peut pas s'arranger. Je n'aime pas du tout l'endroit où il habite, c'est loin. Je n'aime pas. Ils viennent toujours ici, nous n'allons jamais là-bas. C'est qu'un postal que tu peux venir les choisir. Je ne sais pas, je les aurais collés au mur, j'aurais pu les montrer aux autres filles. Ce n'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir. Mais ça n'est guère possible. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire. Alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps, il dit toujours des choses comme ça. Tu verras, tu t'es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit. En effet, j'y réfléchis et. Ah je rigole. Je me fais rire. En effet, je ne dis pas mal, ce n'est pas ça que je dis, je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Il y a des gens, et ils sont les plus grands, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et où sont nés avant eu leurs parents, et ils ne sont pas malheureux. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça, on doit se contenter, bon. Et c'est peut-être mon sort. Ce mot-là, ma destinée. Cette vie. Je suis au second étage, j'ai ma chambre, celle d'Antoine, et la tienne encore si je veux. Mais ça, là, n'en faisant rien, c'est comme un débarras. C'est pas méchanceté. Les vieilleries qui ne servent plus, mais qu'on n'ose pas jeter. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux. Ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi, beaucoup mieux que ce que je pourrais avoir avec l'argent que je gagne si je partais. Comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement. Mais. Et ensuite, j'arrête. Mais c'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. Tu dois pouvoir comprendre cela. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. La télévision, les appareils pour entendre la musique, tout ça. Il y a plus chez moi là-haut. Plus qu'ici-bas. Non.
Pas ici-bas. ne te moque pas de moi. Peut-être... Ah, il y a plus de confort qu'il y en a ici. Ici. Je parle trop, mais ce n'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, cela compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Nous avons une voiture. Bon, c'était pas tout à fait la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire, elle dit qu'elle a peur. Et je suis le chauffeur. C'est bien pratique. Cela nous rend service et on n'est pas toujours obligé de demander aux autres. Ce que je voulais dire, c'est que tout va bien. Et que tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter. Le dimanche. Maman. Mais je n'ai rien dit, j'ai rencontré à Catherine. Le dimanche. Elle connaît ça par cœur. Laisse-la parler. Tu ne peux laisser parler personne. Elle allait parler. Cela le gêne. On travaillait, leur père travaillait, je travaillais. Et le dimanche. Je raconte. N'écoute pas. Le dimanche, parce que en semaine, les soirs sont courts. On devait se lever le lendemain. Les soirs de la semaine, ce n'était pas la même chose. Le dimanche, on allait se promener, toujours et systématique. Où est-ce que tu vas? Que tu fais? Nulle part. Je vais nulle part. Où veux-tu que je bouge pas, j'ai compté. Le dimanche... Reste avec nous. Pourquoi? Non, c'est triste. Ce que je disais, le même mauvais caractère, borné, enfant déjà, rien d'autre, et par plaisir souvent, tu le vois là comme il a toujours été. Ce que je raconte, le dimanche. Le dimanche, nous allions nous promener comme un rite. Je disais cela, un rite, une habitude. Tous les dimanches, on allait se promener. Toujours. Et systématique. C'est l'histoire d'avant. Parce que j'étais trop petite lorsque je n'existais pas encore. Bon, on prenait la voiture aujourd'hui, vous ne faites plus ça. On prenait la voiture. Nous n'étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture et je ne crois pas avoir jamais connu leur père sans une voiture, vieille et laide et faisant du bruit. Trop, mais bon, c'était une voiture, il avait travaillé et elle était à lui, c'était la sienne et il n'en était pas peu fier. On lui fait confiance. Ensuite, notre voiture plus tard, mais ils ne doivent pas se souvenir, ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits, je ne me rends pas compte. Bon, peut-être. Notre voiture était longue, plutôt allongée et aérodynamique, et noire, parce que noir, il disait cela, ses idées, noir, cela serait plus chic, son mot, mais bien plutôt parce qu'en fait, il n'en avait pas trouvé d'autre. Rouge, je le connais, rouge, voilà, je crois, ce qu'il aurait préféré. Le matin du dimanche, il la lavait, il la stiquait. Cela lui prenait 2 heures, un maniaque. Et l'après-midi, après avoir mangé, on partait. Toujours été ainsi, je ne sais pas, plusieurs années. Belles et longues années. Pas de vacances, non, mais tous les dimanches. Comme une tradition, qu'il neige, qu'il vente. Il disait les choses comme cela, une phrase pour chaque situation de l'existence. Tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On allait se promener. Et quelquefois aussi, le premier dimanche de mai, je ne sais plus pourquoi, une fête peut-être. Et le premier dimanche après le 8 mars, qui est la date de mon anniversaire. Et lorsque le 8 mars tombait un dimanche. Bon. Et aussi un peu, le premier dimanche avant les congés d'été, là, on disait qu'on partait en vacances, on klaxonnait. Et en rentrant le soir, on disait que tout compte fait, on était mieux à la maison. Des bêtises. Et quelquefois aussi un peu, avant le retour des congés d'été, l'inverse là, comme si on rentrait de vacances. Toujours les mêmes histoires. Quelquefois, ce que j'essaye de dire, nous allions au restaurant. Toujours les mêmes restaurants. Pas très loin, les patrons nous connaissaient et on y mangeait toujours les mêmes choses. Les spécialités et les saisons, la friture de carpe et les grenouilles à la crème. Mais cela n'est pas ça. Après, ils eurent 13 et 14 ans.
Suzanne était petite. Ils ne s'aimaient pas beaucoup. Ils se disputaient toujours et cela mettait leur père en colère et ce furent les dernières fois. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Je me tais. Quelquefois, ce que j'essaye de dire, des pique-niques, c'est tout. On allait au bord de la rivière, oh là là, c'est l'été, salade de thon, avec du riz et de la mayonnaise et des œufs durs, celui-là aime toujours autant les œufs durs. Et nous, on allait dormir un peu avec leur père sur la couverture, une grosse couverture, verte et rouge, et eux, ils allaient jouer à se battre. C'était bien. Après, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît? Après, ils étaient devenus grands. Ils allaient chacun de leur côté faire de la bicyclette, chacun pour soi. Et ils ne voulaient plus venir avec nous. Et nous, seulement avec Suzanne, cela ne valait plus la peine. C'est de notre faute. Vous la vienne. C'était il y a 10 jours à peine, peut-être. Où est-ce que j'étais? Ce devait être il y a 10 jours. Et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidais de revenir ici. Je me suis levé et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillé calme, paisible. Cela fait longtemps. Il y a 1 an, aujourd'hui, je l'ai dit au début, cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus et que je me retrouve toujours, chaque matin, avec juste en tête, pour commencer à nouveau, juste en tête l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé calme, paisible, avec cette pensée étrange et claire, je ne sais pas si je pourrais bien la dire, avec cette pensée étrange et claire que mes parents, et les gens aussi, tous les autres, dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche, ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, admettons que je m'en souvienne, ma mère, mon frère là aujourd'hui, et ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre, ne m'aime plus, ne m'aima plus, et qu'on ne m'aime plus, ce que je veux dire, au bout du compte, comme par découragement, comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours, peu à peu, à moi-même et à ma solitude au milieu des autres. C'était cette impression, je ne trouve pas les mots justes, lorsque je me réveillais. Un instant, on sort du sommeil, tout est limpide, on croit le saisir pour disparaître aussitôt. Qu'on m'abandonna toujours parce que on ne saurait m'atteindre, me toucher, et qu'il faut renoncer. Et on renonce à moi. Ils renonçaient à moi tous, d'une certaine manière, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi, parce que je les en décourage, et parce qu'ils veulent comprendre que me laisser en paix, semblant ne plus se soucier de moi, c'est m'aimer plus encore. Et je compris que cette absence d'amour dont je me plains, et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jusqu'alors jamais je ne la voie, je compris que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillais avec l'idée étrange et désespérée et indestructible encore qu'on m'aimait déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort, sans jamais savoir ni pouvoir rien me dire.
On ne vous entend pas. Vous ne dites de rien. Pardon. Non, je ne sais pas. Que voulez-vous que je dise? Je suis désolé pour l'incident tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je n'ai pas compris, Antoine. Il faut toujours que je m'intéresse à... Il a dû vous prévenir contre moi. Je n'y songeais pas. Je n'y songeais plus. Ce n'était pas important. Pourquoi dites-vous ça? Il a dû vous prévenir contre moi? Qu'il a dû me prévenir contre vous? C'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit, et il n'en parle de toute façon pas souvent. Presque jamais. Je ne crois pas qu'il parle de vous, et jamais en ces termes. Rien entendu de tel, vous vous trompez. Il croit, je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de sa vie. C'est ça. Que vous ne voulez rien savoir de lui. Que sa vie, ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça, son métier, le métier qu'il fait. Vous connaissez son métier? Vous savez ce qu'il fait dans la vie? Bon, il ne dit pas vraiment un métier. Vous, vous avez un métier. Un métier, c'est ce qu'on a appris, ce pour quoi on s'est préparé. On ne dit pas vraiment un métier, je ne me trompe pas. Vous connaissez sa situation? Elle n'est pas mauvaise. Elle pourrait être plus mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. Sa situation, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez son travail? Ce qu'il fait? Ce n'est pas un reproche. Ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Si vous le prenez ainsi, ce n'est pas bien. Et vous avez tort. Ce n'est pas un reproche. Moi-même, ce que je peux dire, je ne saurais dire exactement, avec exactitude, je ne saurais vous dire son rôle. Et il travaille dans une petite usine d'outillage par là, on dit comme ça, une petite usine d'outillage. Je sais où c'est, parfois je vais l'attendre. Maintenant presque plus, mais avant j'allais l'attendre. Il construit des outils, j'imagine, je suppose, et c'est logique. Il doit construire des outils, mais je ne saurais pas non plus expliquer toutes les petites opérations qu'il accumule chaque jour, et je ne saurais vous reprocher de ne pas le savoir non plus, non? Mais lui, il peut en déduire, il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas. Ou si vous préférez, je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. Il croit probablement, je pense qu'il est ainsi. Et vous devez vous en souvenir, il ne devait pas être bien différent plus jeune. Il croit probablement que sa vie n'est pas intéressante, ou susceptible, le mot exact, susceptible de vous intéresser. Et ce n'est pas être méchant peut-être, ce n'est pas être méchant, oui, que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Vous ne croyez pas? Ou je me trompe? Je suis en train de me tromper. Ce n'est pas être méchant. En effet, c'est plus juste. Je souhaite, quant à moi, ce que je souhaitais. Je serais heureux de pouvoir... Ne me dites rien. Je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas et je ne rapporterai rien. Ce n'est pas mon rôle. Ou du moins, pas comme ça que je l'imagine. Vous voici à votre tour. Comment est-ce que vous avez dit? Prévenu contre moi. Je n'ai rien à dire ou à ne pas dire, je ne vois pas. Très bien. Parfait alors. À plus forte raison. Revenez, Catherine! Cette fille-là, on ne croirait pas la première fois qu'on la regarde. On la suppose fragile et démunie. Tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe. On ne va pas se fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne?
Moi? Oui, comme ça, donnant ton avis. Non. Bon, aujourd'hui un peu, mais à vrai dire, presque plus. Dernière salle, en ton honneur, juste pour te donner des regrets. Oui? Pardon? Quoi? En général, à l'ordinaire, en général, Antoine me dit « Ta gueule, Suzanne !» Excuse-moi, je ne savais pas. Ta gueule, Suzanne! Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas. Je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler, tout ça. Je les ai entendus, mais aussi je les connais, je sais comment est-ce que je ne serais pas. Je n'aurais pas entendu, je pourrais tout aussi bien deviner de moi-même, je devinerais de moi-même et cela reviendrait au même. Ils veulent te parler, ils ont su que tu revenais et ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps et la possibilité enfin. Ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal parce qu'ils ne te connaissent pas ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es. Ce n'est pas connaître cela, c'est imaginer, toujours elle imagine, et ne sait rien de la réalité. Antoine, lui, il te connaît, mais à sa manière, Antoine, c'est différent, il te connaît, mais comme chaque chose, comme il croit connaître tout le monde, comme il veut la connaître, en s'en faisant une idée et en ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer, et il est probable qu'ils le feront. Et maladroitement, ce que je veux dire. Car ils auront peur du peu de temps. Du peu de temps que vous passerez ensemble. Et moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi, je sais bien. Mais je t'ai vu. Moi aussi, je sais bien que tu ne vas pas traîner bien longtemps parmi nous dans ce coin-ci. Tu es à peine arrivé, je t'ai vu. Ne me dis pas le contraire, ne me dis rien. Tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu aussitôt repartir. Ils voudront t'expliquer et ils t'expliqueront mal car ils auront peur, c'est la peur là encore. Et ils s'y prendront maladroitement et cela sera mal dit ou dit trop vite, d'une manière trop brutale, trop abrupte, ce qui revient au même, brutalement, brutalement, car ils sont brutaux, l'ont toujours été, et ne cessent de le devenir. Et dur aussi, c'est leur manière. Et tu ne comprendras pas. Je sais comment cela se passera, et c'est toujours passé. Tu ne comprendras pas. Tu répondras à peine deux ou trois mots, et tu resteras calme, comme tu l'as appris à l'être par toi-même, ce n'est pas moi ou ton père encore moins, ce n'est pas nous qui t'avons appris cette façon si habile et détestable d'être paisible en toutes circonstances, où je ne m'en souviens plus, où je ne suis pas responsable. Tu répondras à peine deux ou trois mots. Tu leur souriras. La même chose. Tu leur souriras. Et ils ne se souviendront plus tard, ensuite, par la suite, ils ne se souviendront que de ce sourire. Et c'est ce sourire qu'ils ressasseront et ressasseront encore le soir en s'endormant. C'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi. Rien ne sera changé, bien au contraire. Ce sourire n'aura fait qu'aggraver les choses entre vous. Ce sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Elle, Suzanne, sera triste à cause de ces deux ou trois mots, de ces juste deux ou trois mots jetés en pâture, ou à cause de ce sourire, et à cause de ce sourire que je viens de dire, Antoine sera plus...
plus dur encore lorsqu'il devra parler de toi. Ou silencieux. Et refusant d'ouvrir la bouche, ce qui sera plus mal encore. Suzanne voudrait partir, elle l'a déjà dit peut-être. Elle voudrait partir, aller loin, ce qu'elle croit, vivre une autre vie, ses histoires. Rien de bien différent, si on s'en souvient. Rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle, et rien de moins grave encore. Le même abandon. Antoine, il voudrait vivre une autre vie, avec sa femme et ses enfants. Et il voudrait avoir plus de liberté. Le mot qu'il répète lorsqu'il est un homme en colère. Ne plus rien devoir. À qui, à quoi, je ne sais pas, mais c'est une phrase qu'il dit comme cela de temps à autre. Ne plus rien devoir. Bon. Je l'écoute. Tout ça et rien d'autre. Et c'est à toi qu'ils viennent demander cela. C'est à toi qu'il semble vouloir demander cela. Et tu te dis que tu ne comprends pas, que tu ne leur dois rien et qu'ils ne te doivent rien, et cela, et ce n'est pas te faire injure, cela t'est bien égal et ne te concerne pas. Tu n'as peut-être pas tort. Il y a trop de temps passé. Toute l'histoire vient de là. Tu ne voulus jamais être responsable et nous ne serions jamais t'y obligés. Ce qu'ils voudraient peut-être, c'est que tu les encourages, que tu les autorises ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose. Que tu dises à Suzanne, même si ce n'est pas vrai, un mensonge, qu'est-ce que ça fait? Juste une promesse qu'on fait en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu dises à Suzanne qu'elle peut aller te rendre visite une ou deux fois l'an. Qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant. Nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut, qu'elle pourrait, si l'on vit. Lui vient, la prenait, aller te rendre visite, bouger, partir et revenir encore, et que tu t'y intéresses, non que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'en soucies. Tu serais un peu responsable. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est que tu leur donnes l'autorisation, le sentiment, que tu dises à Suzanne et surtout à Antoine qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été, je sais cela mieux que quiconque, mais il a toujours cru qu'il était, toujours voulu le croire. Et c'est une sorte de douleur pour lui, une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Que tu lui donnes le sentiment, l'illusion, qu'il pourrait, à son tour, à son heure, qu'il en a le droit, qu'il en est capable, m'abandonner, commettre une lâcheté comme celle-là. À ses yeux, j'en suis certaine, c'en est une. Il ne le fera pas. Il se construira d'autres embûches ou se l'interdira pour d'autres raisons plus mystérieuses encore. Mais il aimerait tellement l'imaginer, oser l'imaginer. C'est un garçon qui imagine si peu. Cela me fait souffrir. Il voudrait tous les deux que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent.
puisse te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier, perdre le respect, ce fameux respect pour les frères aînés absents ou étranges. Tu serais un peu responsable. Et ils pourraient, à leur tour, à leur heure, enfin, avoir l'illusion qu'ils sont aussi un peu responsables d'eux-mêmes. Petit sourire. Juste ces deux ou trois mots. Non. Juste petit sourire. J'écoutais. C'est ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as maintenant? Moi? Tu demandes. J'ai 34 ans. 34 années. Pour moi aussi, cela fait 34 années. Je ne me rends pas compte, c'est beaucoup de temps. C'est l'après-midi, toujours été ainsi. Le repas dure plus longtemps. On n'a rien à faire, on étend ses jambes. Vous voulez encore du café? Tu vas te vouer toute ta vie pour se fourvoyer toujours. Suzanne, ils font comme ils veulent. Oh, mais merde, toi, la femme! Je ne te cause pas, je ne te parle pas, ce n'est pas à toi que je parle. Il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps. Tu ne vas pas t'occuper de moi comme ça tout le temps. Je ne te demande rien, qu'est-ce que je dis? Comment est-ce que tu me parles? Tu me parles comme ça? Jamais je t'ai entendu. Elle veut avoir l'air. C'est parce que Louis est là. C'est parce que tu es là, elle veut avoir l'air. Mais c'est ça, avoir avec Louis, ce que tu racontes. Ce n'est pas parce que Louis est là, c'est ce que tu dis. Oh merde, 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 encore. Compris, entendu, ceci, mes bras d'honneur, c'est ça, voilà. Bras d'honneur! Suzanne, ne la laisse pas partir. Tu devrais la rattraper. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elle reviendra. Oui, je veux bien du café. Je veux bien. Oui, je veux bien un peu de café. Je veux bien. Antoine. Quoi? Tu te payais ma tête. Tu essayais. Terrible, hein? Vous êtes terribles tous. Tous les mêmes. Suzanne! Antoine, où est-ce que tu vas? Ils reviendront et ils reviennent toujours. Je suis contente. Je ne l'ai pas dit, mais je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Où est-ce que tu vas? Louis? Au début, ce que l'on croit, ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète cette solution comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir. Et ne plus me survivre. Tous. Partir avec moi et m'accompagner. Que je les emporte et que je ne sois pas seul. Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue, elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite, on songe, je songeais, on songe à voir les autres, le reste du monde, après la mort. On les jugera. On les imagine à la parade. On les regarde. Ils sont à nous maintenant, on les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers, et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance. On s'amuse. Je m'amusais. On fait et refait l'ordre de leur vie. Et on se voit aussi allongés, les regardant depuis les nuages, je ne sais pas, comme
dans les livres d'enfants. C'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas, leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure. On est bien. Je suis bien. Parfois c'est comme un sursaut, parfois je m'agrippe encore. Je deviens haineux. Haineux et enragé, je mords. Il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs, je leur plonge la tête dans la rivière, je vous détruis, sans regret, avec férocité. Je dis du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir, je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise, et cet épuisement me laissera disparaître, enfin. Demain, je suis calme, à nouveau, lent et pâle. Je vous tue, les uns après les autres. Vous ne le savez pas, et je suis l'unique survivant. Je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier, et les meurtriers ne meurent pas, il faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne, je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges. Je n'aime personne, et je suis solitaire, et solitaire, je ne risque rien, je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision, et mourir vous abîme. Et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit. Je meurs par méchanceté et mesquinerie, je me sacrifie. Et vous souffrirez. Plus longtemps. Plus durement que moi, et je vous vois, je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai, et je rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi est-ce que la mort devrait-elle me rendre bon? C'est une idée de vivant. Inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre. Je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Rien de pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient? Ce n'est pas beau. Mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. Plus tard encore, c'était il y a quelques mois, je me suis enfui. Je visite le monde, je veux devenir voyageur, erré. Tous les agonisants ont ces prétentions. Se fracasser la tête contre les vitres de la chambre, donner de grands coups d'aile, imbécile. Errer, perdu déjà à croire, courir devant la mort, prétendre l'assommer, qu'elle ne puisse jamais m'atteindre, ou qu'elle ne sache jamais où me trouver, là où j'étais, et je fus toujours, je ne serai plus, je serai loin, caché dans les grands espaces, dans un trou, à me mentir et ricaner. Je visite. J'aime être dilettante. Un jeune homme faussement fragile qui s'étiole et prend des pauses. Il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais convaincant. La mort prochaine et moi, nous promenons. Nous faisons nos adieux, nous marchons la nuit dans les rues désertes et légèrement embrumées et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes, nous sommes assez joliment mystérieux. Nous ne laissons rien deviner. Et la réceptionniste, la nuit, éprouve du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Je ne faisais rien. Je faisais semblant. Je découvre les pays, je les aime littéraires, je lis des livres. Je revois quelques souvenirs, c'est parfois de longs détours pour juste recommencer. Et d'autres jours, sans que je sache, ni comprenne, il m'arrivait de vouloir tout oublier, de ne plus reconnaître. Je ne crois en rien. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue, ou dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou bien un autre, hôtel du roi de Sicile, cela m'est bien égal,
ou dans la seconde, salle à manger d'un restaurant plein de joyeux fêtards, où je dînais seul dans l'indifférence et le bruit, on va tout doucement me tapoter l'épaule, en me disant avec un sourire triste de gamin égaré, à quoi bon ? Ce à quoi bon ? Rabatteur de la mort. Elle m'avait enfin retrouvé sans m'avoir cherché. Ce à quoi bon me renvoya à la maison, m'y ramena, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades et m'ordonnant de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid, le plus idiot, je veux noter que je le vois pour la dernière fois, je prétends le retenir. Je reviens et j'attends. Je me tiendrai tranquille maintenant. Je promets. Je ne ferai plus d'histoire. Digne, silencieux. Ces mots qu'on emploie. Je perds. J'ai perdu. Je reviens et j'attends. Je range. Je mets de l'ordre. Je viens ici rendre visite, je laisse les choses en l'état, j'essaie de terminer, de tirer des conclusions, d'être paisible. Je ne gesticule plus et j'émets des sentences symboliques pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complais. Rien ne me flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi, les derniers temps, de me sourire à moi-même, comme pour une photographie à venir. Au doigt, cela repasse en prenant bien garde de ne pas la salir, d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. Et c'est tellement faux. Si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'était tellement faux. Je faisais juste mine de... Je ne suis pas arrivé ce matin. J'ai voyagé cette nuit. Je suis parti hier soir. Je comptais arriver plus tôt, mais j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté, je voulais dire. Et j'étais à la gare ce matin, des 3 ou 4 heures. J'attendais le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça ? Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Qu'est-ce que je dois répondre ? Je dois répondre quelque chose ? Je sais pas, non ? Je te dis ça, je voulais que tu le saches. C'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai et je voulais te le dire. Ah, ne commence pas. Quoi ? Tu sais, ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre. Je te vois assez bien. Tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais, et peu à peu, tu vas me noyer. Bon, tu as voyagé cette nuit ? C'était bien ? Comment est-ce que c'était ? Non, je disais cela, c'est sans importance. Oui, c'était bien. Je sais pas, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, des centaines, des milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je ne dis rien, ce ne veut rien dire. Ah, ce n'est pas le problème, je n'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je t'empêchais pas. Oui, la gare. Non, rien qui vaille la peine, rien d'essentiel. Je disais cela, je pensais que peut-être tu aurais pu être heureux, ou pas heureux, content. Je pensais que tu aurais pu être content que je te le dise, ou de le savoir, heureux de le savoir. Tu étais au buffet de la gare ce matin. Je sais pas à quelle heure je suis arrivé, vers 4 heures peut-être. J'étais au buffet, j'attendais,
J'étais là. Je n'ai pas venir directement ici. Manquer aussi longtemps, débarquer ainsi à l'improviste. Non, elles auraient pu avoir peur. Ou encore, elles ne m'auraient pas ouvert. J'imagine assez Suzanne, là, comme je la vois, je la découvre. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non. J'attendais et je me suis dit, j'y pensais, et c'est pour cela que j'en ai parlé. Ce sont des idées qui traversent la tête, des recommandations qu'on se fait. Je me suis dit, je me suis fait la recommandation donc de te le dire plus tard, lorsque je te verrai. Et aussi, oui, de ne le dire qu'à toi, voilà. C'est bien le but. Leur cacher, car elle pourrait être fâchée. Je me suis dit que je te verrais et que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est cela. C'est exactement cela. Ce que je disais. Les histoires. Et après, on se noie. Et moi, il faut que j'écoute. Et je ne saurai jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. La part du mensonge. Tu es comme ça. S'il y a bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout cela. Ces histoires pour rien, des histoires, je ne comprends rien. Tu ne disais rien. Tu buvais un café. Tu devais boire un café. Et tu avais mal au ventre parce que tu ne fumes pas. Et que les endroits comme celui-là, tôt le matin, je le sais mieux que toi, les endroits comme celui-là, tôt le matin, plus la fumée de cigarette et donne envie de dégueuler avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lise les journaux. Des journaux que je ne lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux. Et je pense à toi. Et je me dis, voilà les journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Et j'essaie de lire à l'envers. Et puis aussitôt, j'abandonne, je m'en fiche, je fais comme je veux. Tu essayais de lire le journal, parce que le dimanche matin, au buffet de la gare, tu as tous les gosses qui sont allés faire la fête, et ils font du bruit, et ils s'amusent. Et toi, dans ton coin, tu ne peux même pas lire, te concentrer sur ta lecture. Et la fumée des cigarettes te donne juste envie de repartir. C'est à cela que tu penses. Point. Tu regrettais. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Tu ne regrettes pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu ne connais pas la raison. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas? Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues, et tu serais débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé. L'idée, juste une idée. Comment est-ce que tu as dit une recommandation que tu t'es faite? Faite, merde! Ou encore, depuis de nombreuses années, peut-être, depuis le premier jour. À peine parti, dans le train, ou dès le lendemain, aussitôt, toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire, depuis de nombreuses années maintenant. Tu te disais, tu ne cessais de te le répéter, tu te disais que tu devrais bien un jour revenir nous rendre visite, nous voir, nous revoir, et là, subitement, tu t'es décidé. Je sais pas. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi. Cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien. Je sais. Je te vois. Tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose. Que tu me dirais quoi que ce soit. C'est là. À l'instant. Tu m'as vu. Et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas.
Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Tu l'as jamais su. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Ce sont des sottises. Tu inventes. C'est là, à l'instant. Tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne sais pas qui je suis. Tu l'as jamais su. Moi non plus, je ne sais pas qui tu es. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on imagine. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. Des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais, tu m'as vu, tu ne sais pas comment m'attraper, comment me prendre, vous dites toujours ça, vous ne savez pas comment le prendre, mais aussi je vous entends, il faut savoir le prendre, hein. Comme on le dit dans un méchant et brutal, hein. Tu voulais m'attraper et tu as jeté ça, tu entames la conversation, c'est une technique, c'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux, mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Pourquoi tu es là? Je ne veux pas le savoir. Tu as droit, c'est tout et rien de plus. Et ne pas être là, tu as droit également. C'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être à chaque fois que tu souhaites. Et encore, tu peux en partir. Toujours moi. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie. Dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi et je ne dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je veux pas être là. Tu vas me parler maintenant, tu voudras me parler, il faudra que j'écoute et j'ai pas envie. J'ai peur. Il faut toujours que vous me parliez, toujours, tout le temps, depuis toujours. Vous me parlez, je dois écouter. Les gens qui disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent entendre. Mais souvent, tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine! C'est comme la nuit en pleine journée, où on ne voit plus rien. J'entends juste les bruits, j'écoute, je suis perdu et je ne retrouve personne. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Et répète. Où est-ce que tu es? Louis? Toi et moi. Ce que tu veux. Je t'entendais, tu criais. Non, tu criais, je croyais t'entendre. Vous vous disputiez. Vous vous êtes retrouvés. Je me suis énervé. On s'est énervé. Je pensais pas qu'il serait ainsi, mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça, je crois pas. Pas toujours comme ça. Les autres jours, nous allons chacun de notre côté, on ne se touche pas. Nous nous entendons. C'est l'amour. Et ensuite, dans mon rêve encore, les pièces de la maison étaient loin les unes des autres et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait que je marche pendant des heures, mais je ne reconnaissais rien. Louis? Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant, il faut maintenant que je revienne très vite. Je me répète à moi-même, plutôt je me chantonne pour entendre juste le son de ma voix. Plus rien que cela, je me chantonne que... Désormais, la pire des choses, je le sais bien, la pire des choses serait d'être amoureux. La pire des choses que je veuille attendre un peu. La pire des choses. C'est que je ne comprends pas. Moi non plus. On ne te voit jamais rire. Ce que nous ne comprenons pas. Antoine, oui, ce que je ne comprends pas et n'ai jamais compris. Et peu probable que je comprenne jamais. Que je ne comprenne jamais. Oui. Oui, on est là. Ce que tu ne comprends pas. Il n'était pas si loin. Il aurait pu venir nous voir, te souviens. Et rien de bien tragique non plus, pas de drame, de trahison. Cela que je ne comprends pas, ou ne peux pas comprendre. Comme ça, pas d'autre explication. Toujours été ainsi, désirable. Je ne sais pas si on peut dire ça. Distant et lointain. Rien qui se prête mieux à la situation. Parti et n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont? Qui ça? Eux, les autres,
Je n'entends plus personne. Vous vous disputiez, Antoine et vous. Je ne me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver et c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Je ne sais pas, il doit être encore là. Où est-ce que vous allez? Antoine! Oui! Et que je sois malheureuse. Que je puisse être triste et malheureuse. Mais tu ne l'es pas. Et là, jamais été. C'est lui, l'homme malheureux. Celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse. Mais vous êtes semblables, lui et toi, et moi aussi je suis comme vous. Tu as seulement décidé que tu l'étais, que tu devais l'être, et tu as voulu le croire. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin, mais ce n'est pas la raison. Pas une bonne raison. Pas une raison du tout. C'est juste un arrangement. Je vous cherchais. J'étais là, je n'ai pas bougé. Mais c'était lui, j'écoutais. C'était lui. Il est parti par là. Louis ? Elle t'a appelé, Catherine t'a appelé, et parfois nous aussi nous t'appelons. Tu ne réponds jamais, alors il faut te chercher, on doit te chercher. Vous retrouvez toujours, jamais perdu bien longtemps. N'est pas le souvenir que vous m'ayez jamais définitivement perdu. Juste là, tout près, pour me mettre la main dessus. Tu peux essayer de me rendre plus triste encore, ou mauvaise, ce qui revient au même. Cela ne marche pas. Toi aussi tu as tes petits arrangements, je les connais. Tu crois que tu ne les connais pas? Ce que je disais. Retrouver. Quoi? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Reviens! Ta gueule, Suzanne. Louis, tu n'entendais pas, j'appelais. J'étais là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ce n'est rien, je croyais que tu étais parti. Et plus tard encore, vers la fin de l'après-midi, c'est exactement ainsi. Lorsque j'ai réfléchi, que j'imaginais les choses, vers la fin de l'après-midi, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'était une idée, mais elle n'est pas jouable. Sans avoir jamais osé faire tout ce mal, je repris la route. Je demandais qu'on me raccompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets d'être là, à nouveau, très bientôt. Je dis des mensonges. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Des phrases comme ça, les semaines, les mois peut-être qui suivent, je donne des nouvelles, je téléphone, j'écoute ce qu'on me raconte, je fais quelques efforts, j'ai l'amour plein de bonne volonté, mais c'était juste la dernière fois ce que je me dis sans le laisser voir. Elle me caresse une seule fois à la joue, doucement. Comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime. Et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette. J'en éprouve du remords. Antoine, lui, est sur les pas de la porte. Il agite les clés de sa voiture. Il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, que jamais il ne me chasse, qu'il ne souhaite pas que je parte, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir. C'est l'image qu'il donne. C'est l'idée que j'emporte. Il ne me retient pas, et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Je vais l'accompagner, je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, voilà qui serait pratique. Ce qu'on peut faire, c'est t'accompagner. T'es déposé en rentrant, t'es sur la route, sur le chemin, nous t'accompagnons et on dépose. Ça va faire à peine un léger détour. Moi, je peux aussi bien. Vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis, c'est moi qui le conduis, et je reviens aussitôt. Mieux encore, on ne m'écoute jamais, tu peux décider. Mieux encore, il dîne avec nous. Tu peux dîner avec nous. Je ne vois pas pourquoi je me fatigue. Mieux encore, il prend notre train, qu'est-ce que cela fait? Mieux encore, tu... Mieux encore, je passe la nuit, je ne pars que demain, mieux encore, je dîne, je déjeune à la maison demain midi, mieux encore, je
Je renonce à tout, je ne travaille plus jamais, j'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais. Elle est impossible. Tout est réglé, mais elle veut à nouveau tout changer. Il veut partir ce soir. Et toi, tu répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part, je l'accompagne, on le dépose. Cela ne nous gênera pas. Non, cela joint l'utile à l'agréable. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on dit d'une pierre deux coups, voilà. C'est que tu peux être désagréable. Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable, tu vois, quand tu lui parles, tu es désagréable, ce n'est pas imaginable. Moi, c'est de moi, je suis désagréable. Tu ne te rends même pas compte, tu ne t'entends pas, tu t'entendrais. Mais qu'est-ce que c'est encore ça? T'as l'air possible. Ce que je disais, je sais pas ce qu'elle a appris moi. Je sais pas ce que tu as appris moi. Tu es différente. Si c'est Louis, la présence de Louis, je sais pas. Catherine, je disais rien. Mais... Peut-être que j'essaie tout à fait de comprendre. Catherine, aide-moi. Je disais rien, on rêve le départ de Louis. Il veut partir, je l'accompagne. Je dis qu'on l'accompagne, je n'ai rien dit de plus. Qu'est-ce que j'ai dit de plus? Je n'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable à ce que je dis? Y a-t-il quelque chose de désagréable à cela? Louis, ce que tu en penses, j'ai dit quelque chose de désagréable? Mais ne regardez pas tous comme ça! Elle ne te dit rien de mal. Tu es un peu brutale parfois, tu ne te rends pas compte. Elle voulait juste te faire remarquer. Pourquoi tu dis ça? Je suis un peu brutale. Non! Je suis pas brutale. Vous êtes terribles tous avec moi. Non, tu n'as pas été brutale. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Hé, ça va, la beauté mère. Hein. Antoine. Je n'ai rien, ne me touche pas. Faites comme vous voulez. Je voulais rien de mal, je voulais rien faire de mal. Faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement, cela me semblait bien ce que je voulais juste te dire. Je me disais, ne me touche pas. Je n'ai rien dit de mal. J'ai juste dit qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien d'oser penser cela. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Faites comme vous voulez. Je voulais rien de mal. Je voulais rien de service. Mais je me suis trompé. Il dit qu'il veut partir. Et ça va être de ma faute. Ça va encore être de ma faute. Ça ne peut pas toujours être comme ça, c'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi. Cela ne se peut pas. Je disais seulement, je voulais seulement dire, et ce n'était pas en pensant à mal. Je disais seulement, je voulais seulement dire que peut-être tu me touches, je te tue. Laisse-le, Louis. Laisse-le maintenant. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser. Je ne vous veux aucun mal. Mais vous devriez partir. Oui, je crois aussi. Antoine ? Regarde-moi, Antoine. Je ne te voulais rien. Je n'ai rien. Je suis désolé. Je suis fatigué. Je sais pas pourquoi. Je suis toujours fatigué. Depuis longtemps, je pense ça. Je suis devenu un homme fatigué. C'est pas le travail. Lorsqu'on est fatigué, on croit que c'est le travail, le souci, l'argent, je sais pas. Non, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Thank you.
veux pas être méchant. Comment est-ce que tu as dit brutal? Je voulais pas être brutal. Je suis désolé. Je suis pas un homme brutal. C'est pas vrai. C'est vous qui imaginez ça. Vous ne me regardez pas. Vous dites que je suis brutal, mais je l'ai jamais été. Tu as dit ça et c'était soudain comme si... avec toi et... Tu as dit ça, c'était soudain comme si, avec toi, à ton égard, et avec tout le monde, et avec Suzanne aussi, et encore avec les enfants, j'étais brutal. Comme si on m'accusait d'être un homme mauvais. C'est pas une chose juste, c'est pas exact. Lorsqu'on était jeunes, lui et moi, Louis, tu dois t'en souvenir. Lui et moi, elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours, c'est moi qui gagnais, toujours. Parce que je suis plus fort, parce que j'étais plus costaud que lui, je sais pas, non, peut-être. Aujourd'hui, ça m'est bien égal, mais... Et là non plus... Ou parce que celui-là, et c'est sûrement plus juste, parce que celui-là se laissait battre, perdait en faisant exprès et se donnait le beau rôle. Mais là non plus, je n'étais pas brutal. Je devais juste me défendre. Tout ça. Juste pour me défendre. On peut pas m'accuser. Je lui dis pas de partir. Je lui dis rien. Il a droit. Il est chez lui aussi. Je lui dis rien. Suzanne et moi, c'est pas malin. Ça me fait rire. Rire avec moi. Ça me fait rire. Reste pas comme ça. Suzanne. J'allais pas le cogner. T'as pas à avoir peur. C'est fini. Suzanne et moi, c'est pas malin. On devrait toujours être ensemble. On devrait jamais se lâcher. Comment est-ce qu'on dit se serrer les coudes? Ah, c'est ça. Se serrer les coudes. Toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui. Mais tu le connais pas. Il n'est pas mauvais, non. C'est pas ce que je dis, mais... Mais tu as tout de même tort. Car il n'est pas totalement bon. Pas totalement bon non plus. Tu te trompes. Et ce n'est pas malin. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas malin. Bêtement. De faire front contre moi. Personne n'est contre toi. Ouais. Sûrement. C'est possible. Puis encore, un peu plus tard, nous sommes toutes les trois comme absentes. Nous ne bougeons presque plus.
On les regarde, on se tait. Tu dis qu'on ne t'aime pas. Je t'entends dire ça. Toujours, je t'ai entendu dire. Je ne garde pas l'idée, à aucun moment de ma vie, que tu n'aies pas dit ça. À un moment ou à un autre, aussi loin que je puisse remonter en arrière, je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire. C'est ta manière de conclure si tu es attaqué. Je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire qu'on ne t'aime pas. Que personne jamais ne t'aima. Et que c'est de cela que tu souffres. Tu es enfant. Je te l'entends dire. Et je pense, je ne sais pas pourquoi, sans que je puisse l'expliquer, sans que je comprenne vraiment, donc. Je pense, et pourtant je n'en ai pas la preuve. Ce que je veux dire, et tu ne saurais le nier si tu voulais te souvenir avec moi, ce que je veux te dire, tu ne manquais de rien, et tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur, ou de la disgrâce, et les humiliations qu'elles apportent. Tu ne les as pas connues, et tu en fus protégé. Je pensais que, peut-être, sans que je comprenne donc, que peut-être tu n'avais pas tort. Que en effet, les autres, les parents, moi, le reste du monde, nous n'étions pas bons avec toi, et nous te faisions du mal. Tu me persuadais. J'étais convaincu que tu manquais d'amour. Et cette peur que j'éprouvais, c'est bien là encore de la peur qu'il est question. Cette peur que j'avais que personne ne t'aime jamais. Cette peur me rendait malheureux à mon tour. Comme toujours, les plus jeunes frères se croient obligés de l'être par imitation et inquiétude. Malheureux à mon tour, mais coupable encore. Coupable aussi de ne pas être ces malheureux. De ne l'être qu'en me forçant. Coupable de n'y pas croire en silence. Parfois, eux et moi, et eux tous les deux, les parents, ils ont parlé devant moi encore comme on ose évoquer un secret dont on devait également me rendre responsable. Nous pensions, et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés, beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi. Nous pensions que tu n'avais pas tort. Et que, en effet, pour le répéter si souvent, pour le crier tellement comme on crie les insultes, ce devait être juste. Nous pensions que nous ne t'aimions pas assez. Ou du moins, que nous ne savions pas te le dire. Et ne pas te le dire, cela revient au même. Ne pas te dire assez que nous t'aimions, ce doit être comme ne pas t'aimer assez. On ne se le disait pas si facilement. Rien, jamais ici, ne se dit facilement, non. On ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances. Encore une expression qui te fera sourire. J'en ai plus rien à faire, d'être ridicule, tu peux pas imaginer.
certaines prévenances à ton égard. Nous nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre plus souvent, et mieux encore, soin de toi. Garde à toi. Et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions plus que jamais tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais. Je devais céder. Toujours, j'ai dû céder. Aujourd'hui, ce n'est rien. Des choses infimes. Je ne pourrais pas prétendre à mon tour. Voilà qui serait plaisant. Un malheur insurmontable. Et je garde surtout cela en mémoire. Je cédais, je t'abandonnais des parts entières. Je devais me montrer, le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier, et jouir du spectacle apaisant, enfin, de ta survie légèrement prolongée. On se surveillait. Nous nous rendions responsables de ce malheur, soi-disant. Parce que tout ton malheur est un malheur soi-disant. Tu le sais, comme moi je le sais. Et celles-là le savent aussi. Et tout le monde aujourd'hui, tout le monde, voit ce jeu clairement. Tout ton malheur n'est qu'une façon que tu as toujours eu et que tu auras toujours, car tu le voudrais. Tu ne saurais pas t'en défaire, tu es pris à ce rôle que tu as toujours eu, de tricher, de te protéger et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Tu avais mal, tu ne le dirais pas. J'ai appris cela à mon tour. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre. Une façon que tu as de répondre, d'être là, devant les autres, et de ne pas les laisser entrer, c'est ta manière à toi, ton allure, le malheur sur le visage, comme d'autres, un air de crétinerie satisfaite. Tu as choisi ça, cela t'a servi, et tu l'as conservé. Et nous, nous nous sommes fait du mal à nous. Chacun n'avait rien à se reprocher, et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble, moi, eux, et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On devait m'aimer trop, puisqu'on ne t'aimait pas assez. Et on voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas, et on ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé, tiens, le mot comblé. Alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur dont rien ni personne, malgré tous ses efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetais à la gueule. J'ai dû encore être le responsable. Être silencieux et admettre la fatalité. Et te plaindre aussi. M'inquiéter de toi. En silence. Et ne plus jamais oser dire un mot contre toi. Ne plus jamais oser penser même un mot contre toi. Rester là, comme un bonnet, à t'attendre. Moi, je suis la personne la plus heureuse du monde. Et il ne m'arrive jamais rien. Il m'arrive dit quelque chose que je ne puis me plaindre.
Tu as l'ordinaire. Il ne m'arrive jamais rien. Et ce n'est pas pour une seule fois, une seule petite fois, que je peux lâchement en profiter. Et ces petites fois, elles furent nombreuses. Ces petites fois où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger. Où j'aurais voulu rester dans le noir et ne plus jamais répondre. Ces petites fois, je les ai accumulées. J'en ai des centaines en tête. Et toujours, au bout du compte, qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas en faire état. Je ne saurais pas les dire. Et je ne peux rien réclamer. C'est comme s'il ne m'était rien arrivé. Jamais. Et c'est vrai. Il ne m'est rien arrivé. Et je ne peux prétendre. Tu es là. Je savais que tu serais ainsi. À te mettre debout devant moi. Pour m'accuser sans mots. Et je te plains. Et j'ai de la pitié pour toi. C'est un vieux mot. Mais j'ai de la pitié pour toi. Et de la peine aussi. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrive rien de mal. Et je m'en reproche déjà, tu n'es pas encore parti. Le mal aujourd'hui que je te fais. Tu es là. Tu m'accables. On ne peut plus dire ça. Tu m'accables. Tu nous accables. Je te vois. J'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais petit. Et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence. Qu'elle est douce et paisible. Et que je suis un mauvais imbécile. Cela ment déjà. Alors que toi, silencieux, oh, tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur, dont je ne saurais pas même imaginer le début du début. Je ne suis rien. Je n'ai pas le droit. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moi encore. Juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites, à chercher à les retrouver avec exactitude. Juste là, avec le ressentiment contre moi-même. Oui, j'ai fini.
Je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles, ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Je ne les ai pas entendus. Après, ce que je fais, je pars. Je n'en reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore après ça, j'en ai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne, je décide de longer la voie ferrée. Elle m'évitera le méandre de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien et c'est ainsi que je me repérerai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche seul, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Et je me remets à marcher avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.